on cherche mon casque. Donc Jean-Louis, bien gentil, t'as pas prévu de casque. Un égoïste, Rien que t'es égoïste. Hein? Quoi? Un égoïste. C'est dingue, une caméra. Il n'y a pas de casque pour moi. Vrai ou pas? War of Need. Alors pourquoi? Parce qu'on s'est dit que de toute façon, une blonde sans cerveau, ça change pas grand chose. Justement, le peu de neurones qui me reste, je voudrais bien les garder intact. C'est juste, ça n'assure que les fonctions vitales. Mais enfin bon, dans les fonctions vitales, il y a quand même la reproduction. C'est pas encore ça l'essentiel. Oh bah quand même, c'est désagréable. Pas sûr que je vais la faire cette balade. Vont rouler sur la bande de droite et vous, vous bloquez la bande de gauche. Il n'y a rien qui peut dépasser. Ah bah. 313. Daniel. 313. Alors, ce qu'il y a ici aujourd'hui, c'est la 4e édition de cette rando Cap 48. Alors nous avons un petit peu changé la formule cette année dans la mesure où on a essayé d'éviter quand même de faire une grande balade dans le Brabant Wallon. Avec énormément de motards, ça peut parfois se révéler dangereux et pas toujours fort amusant, ni pour les motards, ni pour les automobilistes qui peuvent se retrouver parfois arrêtés pendant plus d'une demi-heure, voire trois quarts d'heure à certains carrefours. Et donc cette année-ci, ce que nous avons organisé pour cette rando Cap 48, c'est la 4e, comme je le disais, ce sont des départs d'un peu partout en communauté française, Wallonie, Bruxelles aussi évidemment. Et puis tout le monde se retrouve ici, donc d'ici je pense une bonne heure maintenant, tout le monde sera là. Il y aura un grand concert d'un groupe tagué Classic 21, des animations, il y a de quoi boire, manger, se restaurer. C'est un peu la fête de la moto. Et puis c'est quand même surtout d'abord et avant tout pour récolter un maximum de fonds dans le cadre des 50 ans de l'opération Cap 48. Mais donc c'est un petit peu la contribution des motards et de Classic 21 à Cap 48 ce qui se passe ici. Super, super promenade. On a traversé la Wallonie et tout ça dans un beau cortège, toujours très solidaire. C'est une belle journée. Il faut savoir, les motards ont du cœur et c'est l'occasion de le montrer. Aujourd'hui, cette grande balade montre que nous sommes très attentifs, très nombreux aussi, à se rappeler que le handicap est aussi une affaire de société et les motards y pensent aussi. Vous savez, Cap 48, c'est le fer de toute l'entreprise, donc on se mobilise. Et puis, être avec un millier d'autres motards pendant toute la journée, c'est un côté particulièrement amusant. Ça vous a plu, la Oui, très très bien, vraiment très très gai. Une ambiance extraordinaire ici. Marc Isaïe et toute l'équipe de Classic 21 qui nous ont fait un spectacle et une animation de qualité. C'est une toute bonne journée.
Oui, je suis assis dans ma chaise roulante à côté de la moto. Et je conduis à partir de la chaise roulante. Donc il n'y a personne sur la moto. Avant l'accident, c'était mon métier, constructeur de prototypes. Alors après, j'ai repris. Mais pas comme avant, évidemment, parce que maintenant, au lieu de le faire sur 15 jours, il me faut 5 ans. Il faut y aller, hein. Je pense qu'on trouve sa liberté, sa mobilité dans plein de manières possibles et imaginables. Le tout, c'est de vouloir, d'être imaginatif s'il le faut. Et en tout cas, il faut le faire, quoi. Il faut absolument le faire, c'est le plus important. Time. Maybe the last time. I don't know.